Merci beaucoup. Nous venons de Goma, la capitale du Nord Kivu. Là, nous venons d'organiser la conférence internationale des jeunes des pays des Grands Lacs. Donc, l'objectif de cette conférence était pour nous de préparer les cahiers de charges des jeunes pour le sommet des chefs d'État qui aura lieu à Kampala, toujours à la fin de ce mois, le 24 février. Et les jeunes, on a eu la participation de tous les pays membres de la CIRGEL, ainsi que les jeunes venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'était un moment fort de lancer un cri d'alarme pour la consolidation de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et on a eu l'opportunité de planter des arbres avec les jeunes internationaux, des arbres qui sont significatifs par rapport à la consolidation de la paix. Chaque pays a planté un arbre. Donc nous avons intérêt à soutenir ces jeunes, à investir dans ces jeunes. Et c'est un peu, nous allons tout faire pour voir comment créer de l'emploi, pourquoi pas pour les jeunes, parce que nombre de ces jeunes n'ont pas peut-être d'autres préoccupations à faire et ils n'ont pas le choix que de se lancer dans les groupes armés et facilement être attirés par les groupes armés pour agresser le pays. Donc l'objectif, c'est de voir comment les jeunes du pays peuvent travailler ensemble pour combattre tout ce qui est comme déstabilisation de l'Est de la République. Hapana, ajira ionekana kwa vile mumugini walivomoa nyumba zote na wakatia miti fasi ya kufashi kwa miti na nyumba fasi ya kufashi kwa nyumba. Na wale wanaokuwa katika makundi ya wapiganaji? Wale watatoka kidogo kidogo, watatoka ili miti ya kishenzi kidogo kidogo. Pigana juu fulani alikuyaka mbele ya wengine au fulani kuna pua mrefu au fulani kuna mguu kabambi, haina maana hiyo. Tunasikilizana. Lazima watu ni wao ndio wataongoza nchi kesho. Biko na ni rahisi kwa sana kama wanasikilizana mbele ya kuongoza nchi kesho. Asante sana mheshimiwa baba. Asante. Pas normal. OK. D'accord. Non, c'est bon. Boko Haram. Oh yes, I saw it. Afuta nyoso oye sengeli. Poto koma bana zabe na kutima. Toko tana bomo ya bosantu. Eza la plus sans effort. Bolingo oh yes, wala kisa pona biso. Palper du doigt cette situation puisque ça va. 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 Ça
Nous devons nommer une lutte pour combattre toutes ces genres de choses. Ce qui est important, c'est le pays. Ce n'est pas vos couleurs des partis politiques, ni vos confessions religieuses. Ce qui est important, c'est la République démocratique du Congo. Ce qui vous réunit, c'est la RDC. Ce n'est pas le PPRD, le PALU, l'AFDC ou quoi que ce soit. Ou l'IDPS, l'INC, ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous pour le moment, c'est la République démocratique du Congo. Il faut défendre et en même temps, il faut soigner l'image de notre pays. Les chefs de l'État, que vous connaissez tous, Monier Konalité, Alipoké, on t'a fait sensibilisation et qu'il n'y aura pas de problème. Moi, je vous pensais... La délégation CIRGEL, en fait, ce sont les jeunes congolais, après la conférence des jeunes de la CIRGEL qui n'ont pas voulu de rentrer et de regagner Kinshasa, sans avoir passé ici aussi, pour voir nos frères, surtout que le problème des conflits communautaires a été soulevé par les jeunes du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans la conférence, nous sommes dit que nous devrions aussi venir créer contact avec les jeunes d'Uvira et essayer un peu de garder ces contacts là pour sensibiliser contre le conflit communautaire. Vous avez l'idée d'un remède, un remède à proposer? Ah oui, exactement. Il y a des jeunes de confession religieuse ici, il y a des jeunes de la société civile, il y a des jeunes des partis politiques. Je pense qu'avec eux, on peut faire un beau boulot à ce qui concerne la sensibilisation contre tous ces conflits communautaires. Et essayons aussi de travailler ensemble pour voir comment créer de l'emploi à tous ces jeunes. Il y a eu le secrétaire d'équilibre ici qui peut être encore une fois mis à jour pour voir comment créer de l'emploi à tous ces jeunes gens qui sont hantés, défréquentés par-ci, par-là, qui n'ont pas à faire et parfois ils n'ont pas le choix que de se lancer dans n'importe quoi qui leur a été proposé par les gens avec mauvais choix dans l'Ouvira en général. Papa, tu es là, sois avec moi. Moi, je suis là.